Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Je suis à plein ciel. Première maison, juste à l'entrée. Leka. Jessica Leka. Ça va? Pas vraiment, non. Tu n'as pas dit grand-chose depuis l'école. Tu as quoi? En fait, c'est Jessica. Tu te souviens celle que je t'avais présentée la dernière fois à l'hôtel? Ah, oui. Il y a un souci. Je sais pas, mais depuis là, j'essaie de la joindre, mais elle ne décroche pas. Peut-être qu'elle est occupée? Tu veux m'en parler? Non, non, c'est délicat. Je croyais qu'il n'y avait pas de secret entre toi et moi. C'est le cas, mais là, c'est entre Jessica et moi. Ok. Je n'insiste pas. En fait, qu'est-ce que tu cherches? Je vois pas de quoi tu parles. Je parle de tout à l'heure au lycée. Je t'ai vue avec Adrien. Tu cherches à le séparer d'Edwige, c'est ça? Au final, tu ne veux plus te contenter que d'une aventure. Ce n'est pas ça, mon ami. J'avoue, je suis amoureuse d'Adrien. Je crois que je suis tombée dans mon propre piège. Et tu t'es servi de Charlie et moi pour atteindre ton objectif? Non, comment tu peux dire ça, mon ami? Je ne t'ai juste pas dit toute la vérité. Excuse-moi, maman, excuse-moi. Ne t'excuse pas, c'est ta vie après tout. Oui, allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? Le SAMU? Oui, effectivement, qu'est-ce qu'elle a? Se suicider? Mais pourquoi? Ok, et comment elle va? Ok, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jessica. Elle a tenté de se suicider. Jésus, se suicider? Mais pourquoi? Je ne sais pas, il faut que j'aille à l'hôpital. Je lui avais pourtant dit de rester calme. Tu me laisses t'accompagner? De toute façon, je ne peux pas te laisser partir ainsi. Ok, allons-y, on va prendre un taxi. Dépêche-toi. Ok. Bonsoir, papa. Papa. Bonsoir. Bonsoir, c'est toi? Oui. Je tenais à m'excuser pour la dernière fois. Tu aurais dû me le dire plus tôt.
Je ne savais pas comment tu allais le prendre. Je te comprends, je te comprends. Ça marche tes activités? Oui, très bien. Je suis fière de toi, ma fille. C'est très bien, mais il faut que tu penses d'abord à ton stage, d'abord. Et inspire-toi de cette phrase de La Fontaine. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Je ne fais que l'appliquer, papa. C'est bien, ma fille, c'est bien. C'est bien. Je vais y aller. Yo, rigolo. Oh, sister. Salut. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. La dernière fois, tu as failli te faire lyncher. Ouais, à deux doigts. Toujours dans tes répétitions? Oui, il y a un producteur qui semble s'intéresser à ma maquette. Donc, je l'améliore un peu. C'est chouette, ça. Au fait, tu es retourné à l'école, j'espère. Ouais. Linda n'arrêtait pas de me mettre la pression. Et tu sais quoi? Quand je suis arrivé en classe, les gens n'arrêtaient pas de me regarder bizarrement. Ça te surprend? Tu as quand même fait 2 semaines sans y aller. Deux. Et alors? Il n'y a rien de scandaleux? Hé! Hey. Bon, ok. Si tu veux. Donc comme ça, la frangine se lance dans les affaires. Apparemment, ça marche bien. La frangine. Toujours bien coiffée et tout. Je comprends que le boss ne fait plus le bruit. Comme tu le gâtes un peu. Il est sérieux, ça, genre. Ah, ok. Okay. Mais sinon, fais comme un geste pour ton frangin. Pourquoi? Oh, s'il te plaît. Tiens. Yes! Merci. Ouf. Mon week-end est assuré. Un, Dani. Si c'est pour faire des folies, là, tu me rends mon argent. Ok, cool. Bon, je te laisse. Merci. Oh. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, nous venons pour mademoiselle Jessica Leka. Elle a été admise aux urgences. Ah bon? Un instant, s'il vous plaît, je regarde dans le registre. Vous avez bien dit Jessica Leka, c'est ça? Mm-hmm. Mm-hmm. Jessica. Vous êtes de la famille? Non, je suis une amie. Un instant, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes des amis à Jessica Leka? Oui. S'il vous plaît, docteur, dites-moi qu'elle va bien. J'ai bien entendu Jessica Leka. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je
Je suis vraiment navré, mesdemoiselles. Mais nous n'avons pas pu la sauver. Elle avait perdu trop de sang. Oh mon Dieu! Je suis vraiment désolé. Avec elle et la famille. Je ne connaissais pas sa famille. Vraiment, je suis désolé. En état de choc, mais qu'est-ce que Jessica avait au point de se donner la mort? Je venais d'apprendre qu'elle était séropositive. Elle avait une liaison avec un homme marié. Tu te rappelles de la dernière fois à l'hôtel? Ce monsieur que j'aime bien voir. Oui, je vois. Ils étaient ensemble et il se trouve que c'est lui qui a transmis la maladie. C'est elle qui t'a dit ça? Oui. Et tu l'as appris? Bien sûr que oui. Jessica était une fille sérieuse. Elle a juste été naïve. Peut-être qu'elle faisait déjà aussi la maladie. Ce n'est pas forcément à cause de lui. Pourquoi j'ai l'impression que tu es en train de le défendre? J'essaie juste de me faire une idée. Ton idée est nulle. Ah ouais? Navré était de se voir, mais on parle d'une personne que tu n'avais pas revue depuis des années. Et même si ça faisait longtemps, Jessica était une fille bien. Elle était loin d'être une menteuse. Il ne faut jamais se fier aux apparences, ma chérie. Tu es dégueulasse, Huguette. Excuse-moi, je ne voulais pas te vexer. Va te faire foutre. Que tu es dans un groove. Il faut qu'on se parle, c'est urgent. Je suis très sérieuse. Nace ya en lo tradicional.
qu'est-ce qu'il y a d'aussi urgent? C'est à propos de Jessica. Ah, qu'est-ce qu'elle a encore celle-là? Hein? Elle vient de mourir. Quoi? Oui. C'est vrai ça? Elle s'est suicidée en se coupant les veines. Je reviens à peine de l'hôpital, j'étais avec mon amie. Je t'avais bien dit qu'elle se connaissait. Je compatis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? D'après ma copine, Jessica, lui, aurait confié qu'elle était séropositive à cause de toi. Quoi? Mais cette petite-là est malade. Elle a inventé la même histoire lorsqu'elle voulait me soutirer l'argent. Hein? Moi, je n'ai rien à voir avec sa mort. Rien. Attends. Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui est malade du sida. Hein? Laisse-moi tout ça. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Je te conseillerais de faire un test pour te rassurer. Écoute, ma belle. Écoute. Ne t'inquiète pas. Hein? Rien à craindre. Fais-moi juste des placements avec les petites et tu obtiens ton argent pour les cours. Ok? Oui, mais tu sais... Je te remercie de te soucier de ma santé. C'est bon. Hmm? Tu es trop stressé. Et je comprends. Demain, c'est un jour. Mais, joins-toi à nous, hein? Viens faire la fête. Ça va un peu te changer les idées. Hein? Allez, viens, viens, viens. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus passé un si bon moment ensemble, bébé. Oui, ça faisait longtemps. Tu as commandé ça pour moi? Je voulais te faire plaisir. Mais c'est beaucoup d'argent quand même. Je me suis lancée dans une tentine d'entraide avec Laura et Charlène. Ça fonctionne très bien. Bah, super. Je comprends mieux. Tu goûtes pas un peu? Ok. Mmh. Et... J'aime trop la gourmandise. Oh. Oh, mince. Oh. Faut que j'y aille. Tu peux pas sécher les coups juste une fois? Viens par ici. Il faut pas tenter le diable. Ok, vas-y. Au fait, Armand, tu finis les cours à quelle heure? Tu dis quoi? Je demandais à quelle heure tu finissais les cours? Je ne sais pas, j'ai un match après. On dirait que tu m'appelais par un autre prénom. Non, du tout. Tu en es sûr? Oui. Tu as le signe? Bon, d'accord. J'ai certainement mal entendu. Excuse-moi. Mmh. D'accord. Okay. Mmh.
Adrien, qu'est-ce que tu fous? Rien. Qu'est-ce qui t'arrive, man? Je t'ai dit qu'il n'y a rien, ok? Mais comment ça, rien? Tu as arrêté toutes tes shoots? Il y a des jours comme ça. Excuse-moi, j'ai besoin d'être seul. Ok, man. Ça va? Moi, oui, mais lui, non. Je sais pas ce qu'il a, je l'ai rarement vu comme ça. J'espère que ça passera. J'espère aussi. Dis-moi, hier j'ai entendu ton appel. Ah, vraiment désolé. J'ai perdu une amie hier. Là. Mince, désolé. Merci. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle était malade. Elle s'est suicidée, mais j'ai pas trop envie d'en parler. Ouais, je comprends. Bon, ça te dit, on va prendre un verre. Ouais, carrément. Ok, allons-y alors. Laisse-moi juste me changer. D'accord. Okay. Me dis pas qu'il ne nous a pas vus. Je crois qu'il n'est pas dans son assiette aujourd'hui. Tu as vu sur le terrain, non? Ok, mais qu'est-ce qu'on a à y voir, au point de ne pas nous saluer? Surtout toi. Sauf s'il y a autre chose. Salut les filles. Salut. Salut quoi, Laura? Bof, rien de spécial. Edwige, tu me boudes toujours. Oh. Moi, j'ai des raisons de te bouder. C'est toi qui me cherches. Depuis là, je ne fais que t'expliquer que je vis une situation compliquée, mais tu refuses de me comprendre. Je te comprends, Edwige. Mais c'est ta façon de gagner des sous que je ne cautionne pas. Tu as pensé à Adrien. Ça, c'est ma vie, pas la tienne. Hé, les filles, on a marre. Je ne vais pas toujours jouer le rôle de l'arbitre entre vous, ok? Encore désolée, je me suis laissée emporter. Comme toujours. Allez, Edwige, excuse-moi. Moi, je n'ai pas de problème, Laura. Ok. Au fait, les filles, vous avez vu la photo de la fille qui circule dans les réseaux sociaux? Non. Une jolie fille, je vous rassure. Il paraît qu'elle s'est suicidée en se coupant les veines. Oh, mon Dieu, on sait pourquoi. Non, non. Tu as sa photo? Oui, attends, dans mon téléphone. Tiens, voilà. Oh mon Dieu! Cathy. Je me disais bien que je l'avais déjà vue quelque part. Ah ouais, où ça? L'endroit où je dois aller taffer. On s'est croisés vite fait dans le bureau du DRH. Wow. Wow, c'est vraiment dommage. Ouais. Ouais, j'imagine le choc. Bon, les filles, je dois y aller, je vous laisse. C'est quoi?
Relax, Chou. Tu ne m'as pas l'air d'être dans ton assiette. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'inquiètes pour moi? Quoi? Je ne devrais pas. Je ne sais pas. Et il ne faut pas qu'on nous voie ensemble. À cause de ta dulcinée. Ah! Pourquoi tu ris? Ah, mon chou. Tu devrais la surveiller davantage. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Qu'est-ce que tu veux dire? Huguette, je croyais qu'on avait fait la paix, bien entendu. Bon, je vous laisse. Hé, bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tout le monde me pose cette question? Je ne suis pas tout le monde, bébé. Excuse-moi. Je suis pas dans mon assiette aujourd'hui. J'ai vu ça au théâtre. Tu veux qu'on en parle? Une autre fois. Faut que j'y aille. Mais... Non mais toi tu es terrible quoi. Mais mine de rien, hier j'ai passé une soirée d'enfer. Et gérer les petites là, c'était compliqué. Hey, tu t'en es bien sorti? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Et dire que toi tu le fais tout le temps. Ah ça. Tu as vraiment de l'énergie à dépenser hein, mon frère. Ouais, tu es fort. Mais dis-moi, ces filles là, elles apprennent toutes ces choses-là ou comme ça, mon Dieu. Hein? Eh, mon cher, ça me dépasse. Ah, en tout cas, moi, j'ai eu ma dose hier. Ça, c'est sûr. Ah. Toi, tu négliges ton affaire, là. Non, ça va passer, ça va. Ça va passer. Il y a madame qui m'a pris déjà des médicaments pour me déparasiter. Oh. Et tu as commencé à les prendre? Non, pas encore. Armand, la santé n'a pas de prix, mon cher. Attention. Oui, oui, tu as raison. Oui, entrez. Oui, c'est bon, vous pouvez nous laisser. Monsieur Armand Bécalé? Oui, c'est moi. Inspecteur Miko de la police judiciaire. Le sergent Mombo, mon équipier. Ah, enchanté. Mais vous comprenez que je suis un peu surpris de vous voir. En quoi puis-je être utile? C'est au sujet de mademoiselle Jessica Leka. Jessica Leka. Oui. Vous la connaissez, je crois. Oui, en effet. Jessica est l'une de nos stagiaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est morte.